Louange à Allah et que Allah élève davantage les degrés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les deux témoignages sont « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah » et « Je témoigne que Muhammad est le messager de Allah ». Il est un devoir pour celui qui veut entrer en islam de prononcer les deux témoignages immédiatement tout en croyant fermement à leur signification. La signification de « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah » est « Je crois fermement dans mon cœur et je reconnais par ma langue que nul ne mérite d'être adoré sinon Allah, c'est-à-dire que nul ne mérite qu'on lui voue l'extrême humilité hormis Allah Ta'ala. » La signification de « Je témoigne que Muhammad est le messager de Allah » est « Je crois fermement dans mon cœur et je reconnais par ma langue que notre maître Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf, de la tribu de Quraysh, est l'esclave de Allah et son messager, envoyé à toute la création, hommes et djinns, arabes et non-arabes. Il est de la tribu de Quraysh, la plus noble des tribus arabes. Il est né à la Mecque, Mecca, où il a reçu la mission de prophète. Il a émigré à Médine, Al-Madina, où il a été enterré. Il est le dernier des prophètes et des messagers et le meilleur d'entre eux, sallallahu alayhi wa sallam. Il est du devoir de croire à tout ce qu'il nous a porté à notre connaissance et transmis de la part de Allah Ta'ala. Je finis en demandant à Dieu qu'il nous augmente en connaissance et que nous soyons parmi les gens du paradis et de la félicité. Que Dieu vous accorde la paix et à la prochaine.